Allez, on continue avec d'autres messages, justement, vos vidéos qui sont postées par vous, qui faites partie de la communauté Télématin et grâce auxquelles on découvre chaque jour de nouvelles belles initiatives. Alors ce matin, on file en Seine-Saint-Denis rencontrer Julie Lou. Elle et son association ont un joli but, c'est rapprocher les campagnes de nos grandes villes. Comment ? Elle a une recette. L'association Clinamen dynamise les territoires urbains par la promotion des pratiques paysannes. C'est une association d'éducation populaire où nous nous intéressons à toutes les pratiques agricoles en essayant par nous-mêmes. Nous accueillons volontiers tous les Parisiens qui veulent eux aussi mettre la main à la pâte et essayer avec nous de développer l'agriculture dans l'association. La formation se fait tout doucement, en 3-4 séances, on peut facilement apprendre à guider le troupeau de moutons en premier et puis après par de courts séjours, voire de longs séjours, une semaine, un mois, en remplaçant les gens qui sont à la ferme, c'est une sorte de véritable relais. Après les moutons, l'association Clinamen propose plein d'activités qui se sont diversifiées au fil du temps. L'élevage de poules, puis ensuite nous avons enchaîné avec le maraîchage, la viticulture. Nous avons en charge quelques vergers aussi. Tout ça s'accorde dans une rotation, c'est-à-dire diversifier les cultures, les élevages, pour qu'il y ait un équilibre écosystémique qui se fasse. Merci beaucoup Julie Lou, et si vous aussi vous avez des messages, des vidéos à nous faire passer, n'hésitez pas, vous avez la fameuse adresse que vous connaissez par cœur, montelematin@francetv.fr. Venez nous retrouver.